Mémoire vive.tv au point. Ah, bonjour, merci de nous accueillir à rédaction. Bonjour. Bonjour Olivia. Alors vous venez de lancer hier votre application iPad. Comment l'idée vous est venue à la rédaction de vous lancer dans cette aventure? C'est tout naturel, on voulait participer à la révolution numérique, donc on est le premier news magazine à lancer une version iPad qui est faite pour l'iPad, qui est enrichie de vidéos, enrichie de diaporamas, et qui permet à la fois un approfondissement dans les articles, qui seront aussi évidemment dans la version papier, et en même temps pouvoir prendre le temps chez soi, n'importe où, de consulter son iPad et de regarder diaporamas, vidéos, et d'aller plus loin et de façon complètement personnalisée. Donc c'est pas un joujou, c'est vraiment un vrai journal qui offre une lecture personnalisée, ludique, mais aussi un approfondissement. On ne substitue pas le spectacle à l'info. On garde les deux ensemble et on enrichit l'un et l'autre. Est-ce que vous avez envisagé l'idée de développer des contenus spécifiquement pour l'iPad? Parce que pour le moment, c'est une déclinaison à 100% du magazine. Déjà, c'est beaucoup de boulot, oui. Parce que c'est gros le point. Il y a plein de choses dedans. Oui. Non, on ajoute des choses, on ajoute beaucoup de photos. Donc ça, c'est très important, mais la photo, c'est surtout, ça rend très bien sur un écran iPad, parce que c'est beau, c'est lumineux, c'est clair, il n'y a pas un papier qui voit un écran iPad, en fait. Et donc ça, c'est formidable. Et puis de la vidéo, et donc d'ailleurs, on a embauché un JRI pour faire ça. Mm-hmm. On va en prendre un deuxième, et puis on va se procurer des vidéos, des documents d'archives, des choses comme ça. Donc évidemment, ça change plein de choses dans le journal, et c'est même une petite révolution pour nous, parce qu'il faut penser à l'iPad en même temps qu'on pense au papier. Donc dans les réunions, on se dit, on lance tel sujet sur Jean-François Copé, on va faire une vidéo de Jean-François Copé dans son bureau, on va faire quelque chose, etc. Donc ça change tout, c'est un autre monde pour nous. On n'a plus un bouclage, mais on a deux bouclages. Pourquoi vous en avez deux? Il y a le bouclage du papier, oui, qui est le mardi soir, et le bouclage de l'iPad, qui est le mercredi soir. Mmh. Et donc, en fait, on réutilise les papiers dès qu'ils sont à flasher, dès qu'ils sont finis, puis on les réédite, on les enrichit, on apporte des choses, etc. Donc, ça change le rythme d'un hebdo. C'est une petite révolution pour nous, parce que le point existe depuis 72, 38 ans. Moi, j'étais pas né. Et donc là, il y a un truc tout à fait nouveau, et c'est un autre monde pour nous. On découvre quelque chose de tout à fait nouveau. Et d'ailleurs, il suffit d'aller voir le plateau technique là-bas. Il y a des gens qui travaillent sur la maquette du journal. Et puis, parallèlement, à côté, des gens qui travaillent sur la maquette de l'iPad. Et tout à l'heure, vous nous disiez le nombre de feuillets que ça représente, un magazine, parce qu'on ne se rend pas nécessairement compte. C'est 350 000 signes, oui. 400 000 signes. Enfin, c'est énorme, c'est colossal. Il y a énormément de choses à faire. Donc c'est un travail titanesque. Là, le premier, le numéro New York qui est sorti sur New York, qui est sorti jeudi, on a terminé dans la nuit de mercredi, on a terminé à 3h du matin, mm-hmm, parce qu'on a voulu en plus retoucher des choses, etc. Donc ça va se normaliser. Mais aujourd'hui, c'est clairement c'est une opération commando, parce que c'est tout à fait nouveau. Et puis on apprend des choses en plus, on apprend sur le tas. Nous, on n'est pas des spécialistes de ça, on s'y est mis à fond. Et on se dit, on va réussir, on va le faire, et puis on ne se pose pas de questions après. Il y avait un certain nombre de gens qui avaient un peu ri de voir l'élan dans la presse quand l'iPad est sorti, comme si ça avait été le messie, le miracle, pour que la presse sorte de l'ornière, remonte les ventes, etc. Nous, on est tranquille. Vous y croyez? On n'est pas dans l'ornière, parce que le point se porte bien. Oui. Donc simplement, une entreprise qui n'investit pas, elle finit toujours par mourir, ça c'est sûr. Est-ce que vous croyez vraiment que l'iPad, en l'occurrence, c'est pour le moment la tablette là, qui est la plus répandue, ouais, va permettre à la presse de sortir un peu de sa crise. Je parle dans quelques années. Non, ce que je crois, c'est que le numérique en général, le monde du numérique, va nous permettre de trouver des nouveaux débouchés, de résoudre certains problèmes, évidemment, de distribution, de toucher de nouveaux publics et de proposer des choses nouvelles. En même temps, la question, c'est pas de l'iPad en tant que tel. L'iPad, c'est un outil formidable qui est merveilleux. Aujourd'hui, la tablette, la première qui est sortie, elle est très séduisante. Il y aura sans doute d'autres choses qui vont sortir. Il y aura d'autres supports. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est la première fois, et ça c'est tout à fait unique, que dans le monde du numérique, on peut faire du magazine. Il suffit de le regarder, là, je ne sais pas si vous l'avez. Oui. On peut, voilà, c'est les vraies polices de caractère du point. Oui, on retrouve complètement la maquette. Oui, on retrouve tout. Mais là, c'est pas le back to issue. Voilà.
C'est les vrais. Voilà, on retrouve. C'est de la vraie maquette. Alors évidemment, sur le web, c'est pas tout à fait pareil, parce que le web, on remplit des cases. C'est plus compliqué de faire bouger les lignes. Les polices de caractères sont limitées pour être lues par tous les navigateurs. Mm-hmm. Donc on peut pas faire ce petit boulot d'artisan qui est notre boulot à nous dans les magazines. On fait ça. Nous, on est des artisans. On rabote, on donne des coups de burin, on plante des petits clous, on donne un coup de peinture, on polie, etc. C'est ça notre métier. On fait un boulot d'artisan. Et là, on retrouve ça dans le monde du numérique avec ce même plaisir et puis cette manière de se promener dans le journal. C'est assez c'est sympa, c'est sensuel, c'est ludique. Voilà, donc ça, c'est un vrai plaisir et qui, pour les magazines, pour les hebdos, pour les news magazines, est tout à fait unique. Et c'est pour ça que nous, on est ravis d'être le premier news magazine à sortir une vraie application iPad, parce qu'on retrouve le cœur de notre métier. Donc vous prévoyez aussi de faire évoluer cette version déjà ? Bah ça va évoluer tout le temps de toute façon. Oui. Là on est parti pour un truc qu'on va faire changer, on va tout changer tout le temps en permanence, on va pas s'arrêter. On peut pas rester avoir une solution figée. Je crois pas une seule seconde qu'il y ait une solution figée, une application figée qui va rester pendant ne serait-ce que 3 ans. C'est pas vrai. Oui, 3 ans c'est considérable. Mais non, tout ça va bouger tout le temps. Et évidemment oui. Nous. Et alors c'est ça la révolution chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'organise pour ça. D'abord on muscle la partie technologique de nos équipes, on a une équipe technique qui est beaucoup plus importante, et puis surtout on se met dans l'idée qu'il faut avoir des nouveaux projets tout le temps, il ne faudra jamais s'arrêter, de toute façon c'est la vie normale d'une entreprise de faire ça, il faut toujours avoir des nouveaux trucs. Voilà, une question pour Olivia, est-ce que tu penses que ça va changer la façon de travailler aussi pour les journalistes? Ah oui, je pense que c'est vraiment très excitant pour les journalistes parce qu'il n'y a plus de limites. Tu vois, des limites de contraintes d'espace, de temps. On peut faire rentrer le lecteur dans le making-of de son article, pouvoir comme ça se dire, voilà, j'ai fait une interview, bon, elle fait tant de signes, hein. Et puis en même temps, je peux avoir aussi le film de l'interview, suivre la personne. Ouais, un document. Voilà, et un document en plus. Et donc, du coup, on est beaucoup moins frustré en tant que journaliste. Et pour les enquêtes en particulier. Et notamment pour les enquêtes, d'avoir des documents que tu vas pouvoir cibler et puis faire découvrir au lecteur, voilà tel document qui m'a amené à m'interroger sur telle personne et en fait vraiment le faire rentrer dans comment tu fais un papier. Est-ce qu'il y a une formation supplémentaire des journalistes de vos équipes pour ça ou... On va tous laisser faire un petit peu de vidéo. Vous allez vous mettre à Twitter non, tous non, on va être mobile, un peu comme déjà vous, tous là, à Twitter. Non, mais de toute façon, on est dans ce monde-là. Donc, il faut être journaliste tout simplement. C'est faire des infos, des pensées aux photos. Simplement, la différence par rapport à. Mais ça, c'est vrai déjà dans le journal, dans le print aussi, dans le papier, c'est qu'il faut s'intéresser un peu plus à la manière d'éditer les papiers, à l'ensemble. On n'est pas juste là pour produire un texte et se dire après on verra comment ça arrive dans une maquette. Non, il faut penser ça tout ça en même temps, et c'est ça la nouveauté. Alors, est-ce que ça change la manière de travailler? Oui, parce que c'est oui et non en même temps. Ça change pas les exigences de fond et la tendance de fond qu'il faut être meilleur. Il faut essayer de faire un journal qui soit de plus en plus fiable et qui procure de plus en plus de plaisir, parce que ça fait partie du truc. L'iPad, c'est ça aussi. Quoi. C'est vraiment. Oui, mais dans le style, sympa. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, à travers les blogs, on a déjà vu ça, mais il y a plusieurs années, ça a quand même fait un peu évoluer. Alors, on peut dire qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Hein. Dans la presse, le ton, le fait d'utiliser beaucoup d'infos qui viennent du web, d'infos de blogueurs, des témoignages, il y a aussi. Alors, ça un journal, c'est pas un blog. C'est pas le type qui, au fond de sa chambre, écrit ce qu'il veut en vérifiant pas ses infos. Mais ça, cette question-là est dépassée. Hein. Je veux dire, maintenant, il y a des blogueurs identifiés. Bien sûr. Y a plus, je pense que le débat blogueur-journaliste... Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas de... C'est pas parce qu'on a un support numérique que ça change le fond du métier de journaliste, qui est quand même d'aller chercher de l'info, et fiable et sûr. Mais est-ce que ça vous ouvre les sources? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de sources grâce au numérique pour vous dans votre travail? Parce qu'on l'a vu dans plein de domaines. Non, alors c'est vrai, un moyen aussi de faire remonter l'info, des le témoignages. Web, c'est vrai, sur le web, par exemple, Jean Guinel, qui est chez nous et qui écrit sur les questions de défense, il a une petite case qui lui permet de lui écrire sur sa page, sur sa rubrique. Et évidemment, il reçoit beaucoup d'infos comme ça. Alors évidemment, il vérifie après. Mais ouais, le numérique, c'est un avantage, c'est que ça permet un contact plus direct. Et puis ne serait-ce que les réactions. Mais c'est sur le web. Mmh. Ça existe déjà depuis des années, et c'est évident que c'est un retour qui est tout à fait unique, parce que les gens qui prennent leur plume pour écrire à des journalistes sont beaucoup moins nombreux que ceux qui peuvent écrire un commentaire sous un papier. Ça prend beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus rapide, ça coûte rien. Mmh. Et donc ça change un petit peu, ouais. D'avoir un retour, mais ça c'est bien d'avoir un retour. Plus on est critiqué, plus on progresse, c'est normal. Oui, je pensais notamment au cas de l'Iran, par exemple, l'année dernière, on a vu que l'info en Iran venait du web.
par les témoignages des Iraniens dans les manifestations, ouais. quand les journalistes par les portables beaucoup. Oui, ouais. quand les journalistes pouvaient plus travailler par la pour résumer la censure. Ouais. Et c'était la première fois que la presse internationale a repris autant d'images amateurs. Donc ça a été quand même un moment qui a eu un basculement. Est-ce que tout ce mouvement-là fait évoluer l'esprit du journalisme? Ça fait évoluer les choses. Olivia a peut-être un mot à dire là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut. Ça apporte plus de choses et en même temps, il faut faire attention parce que les risques de manipulation sont de plus en plus importants. Et donc, il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui sont les gens derrière. Une photo, ça peut être vrai, ça peut être faux. Même un bout de vidéo, tant qu'on ne sait pas qui l'a réalisé, etc. Donc, c'est un plus. Et en même temps, Olivia, qui est toi qui fais des enquêtes tout le temps, tu as peut-être plus de choses à dire. Il y a aussi le mirage. C'est pas parce que c'est une vidéo qu'elle est sur le net qu'on va utiliser la même grille de lecture, la même façon de travailler, de vérifier, de recouper. C'est le même travail, en fait. Simplement, là, on a peut-être plus de sources, mais ce sera la même chose, le même sérieux. Nous, on reste quand même un journal, c'est-à-dire le contenu, c'est la crédibilité du point, c'est l'info. Mm-hmm. Donc là, on amène le lecteur dans un univers point, donc on reste avec l'univers point, qui est notre contenu, qui est vérifié par nous, par nos journalistes, maisons, etc. Et on a juste une sorte de galaxie point avec le journal, l'iPad, le net, l'iPhone, etc. Mais on reste vraiment, voilà, on offre le même contenu et le même degré de vérification, le même degré de sérieux, mm-hmm. ce qui n'empêche pas le plaisir, etc., hein, au lecteur. Alors, vous serez content quand il y aura combien d'applications vendues en 2011 oui, ouais. Je veux dire, j'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est que de toute façon, c'est l'avenir. Je sais pas à quelle vitesse ça va aller. Et ce qui est sûr, c'est que ce genre d'objet, que de toute façon, tout ce qui est numérique, tout ce qui est disponible partout, à n'importe quelle heure, et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut payer très facilement des systèmes comme iTunes, c'est quand même extrêmement pratique. Ça, c'est sûr que c'est un avenir. À quelle vitesse ça va aller, je n'en sais rien, mais je suis sûr que ça va marcher. Et de toute façon, on investit, puis on se lance. Et de toute façon, ce qui ne sert à rien n'a rien, ça sert à rien. Dans le business, il n'y a jamais un moment où tous les feux sont au vert, ça n'existe jamais. Donc il faut prendre des risques. Aux États-Unis, il y a plusieurs spécialistes qui disent que qui sont peut-être extrêmes, ça on verra, disent que la presse quotidienne américaine papier va disparaître d'ici 5 ans. Je ne parle pas des magazines. Ouais, ils sont un état catastrophique aux États-Unis, c'est pas encore le cas en France. Alors, en même temps, on peut craindre souvent les choses qui arrivent avec un peu de retard en Europe. On peut craindre que ça arrive chez nous aussi. Je ne suis pas sûr que ça arrive si vite. Moi, je crois que le papier existe encore pour un certain temps. Mais de toute façon, je vais vous dire, notre métier à nous ne consiste pas à couper des arbres. Il consiste à fournir de l'info et du plaisir. Et parce que c'est important aussi que les gens... on n'est pas là pour ennuyer les lecteurs. Mais d'une certaine manière, pour nous, qu'importe à la fin. Ce qui compte, c'est que ce soit sur du papier ou un iPad ou je ne sais quoi d'autre. Je ne sais pas, ce serait des montres, j'en sais rien. Est-ce qu'on lira sur des lunettes 3D? J'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas quel est l'avenir, si on arrivera à nous implanter les images dans le cerveau. Enfin, j'espère pas trop quand même. Visiblement, vous, ça ne vous inquiète pas vraiment. Vous n'avez pas peur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, notre boulot, c'est l'info. Donc le reste, ce n'est pas important. Et, donc le support, pour vous, ce n'est pas une question, en fait? C'est important. Pour ce qui nous permet de faire. Et il y a des supports qui, techniquement, nous permettent de faire des choses plus ou moins belles, plus ou moins intéressantes, plus ou moins agréables, plus ou moins utiles. Donc nous, évidemment, on est demandeurs de technologie. On attend que ça, donc qu'ils nous inventent des objets nouveaux, formidable. Nous, d'en tirer profit et de faire ce qu'il y a de mieux dessus. Mais le support, c'est pas le... Mais ce que vous disiez sur les blogs tout à l'heure est très juste. C'est pas parce qu'on écrit sur une page... sur Internet qu'on doit écrire n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport. En fait. De toute façon, la question des crédibilités se pose aussi, même individuellement. Enfin, c'est un grand débat. Mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai pour un journal, comme pour un blog, comme une application iPad. La seule question, c'est que nous, on a une marque qui est Le Point, on a un journal qui est derrière avec une rédaction, et quel que soit le support, que ce soit sur du papyrus ou un iPad, c'est la même chose. Simplement, voilà, il y a des choses qui sont plus belles. Ça, c'est beau. Voilà, c'est plus beau, donc autant en profiter. C'est juste ça. Et juste pour terminer, Olivia, donc par rapport à ces questions aux États-Unis sur l'avenir de la presse papier, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que personne, enfin, on n'en sait rien les uns les autres. Il y a pas, on est vraiment en train d'écrire une feuille blanche, hein, sur une feuille blanche, et c'est plutôt excitant. Enfin, nous, on est, comme disait Étienne, le point se porte très bien, donc on n'est pas, c'est pas un saut dans le vide où on se dit est-ce qu'on va s'écraser ou pas. Pas du tout. Pour nous, c'est une étape, voilà, une étape normale, une naturelle, quoi. Hein, et c'est, oui, mais je parle plus généralement pour la presse. Hein, genre, c'est voilà. Terrible. Quand on voit, mais je sais pas, c'est l'histoire de Newsweek, qui est un journal qui a 77 ans et qui là, de fait, se fait manger par le Daily Beast. Et c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et nous, on n'a pas envie de se faire manger par qui que ce soit. On a plutôt envie d'être dans la position de conquérir des choses. Et bah, c'est plutôt notre esprit, je sais pas. On est bien positionné, puisque ouais. On est les premiers. Non, mais c'est vrai que concrètement, ça fout un peu la trouille ce qui se passe aux États-Unis. Parce que voilà, ça va très très vite. Et c'est justement aussi pour ça qu'on se dit qu'on ne va pas attendre que le tsunami nous arrive dessus, on y va, quoi. Et on se pose absolument aucune question. Il n'y a qu'à voir les annonces récentes entre Rupert Murdoch, qui lance son nouveau journal The Daily, ouais. Sur iPad, 100% iPad avec 100, une équipe de 100 journalistes, et Richard Branson qui a annoncé qu'il va lancer un magazine aussi, qui s'appelle The Project, je pense, pour ouais. Le moment. Donc on voit que les milliardaires investissent dans des projets de presse innovants. Oui, ouais, et d'ailleurs, c'est même pas forcément extrêmement cher. Simplement, ça demande... Ça demande beaucoup de boulot, beaucoup d'attention, beaucoup d'imagination, de créativité et de. Je ne sais pas ce que ça change pour toi, par exemple, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous oblige à nous remettre en cause, on apprend des nouveaux trucs. C'est ça qui est intéressant, de toujours se remettre en cause, de pas justement dormir sur ses lauriers, on pourrait le faire, rester sur un système figé. Ça permet d'être encore plus créatif, j'allais dire encore meilleur. Et l'avenir appartient aux ambitieux, donc voilà, on essaie d'être en tout cas dans la course. Bon, voilà. Bon, alors, une question de Sacha. Parce que l'application est gratuite, il y a deux numéros aussi accessibles gratuitement. Après, chaque numéro sera à 2,39 €. Vous savez, chez Apple, on n'est pas libre des prix. Oui. Il y a des grilles, etc. Donc, on est déjà de mettre deux numéros gratuitement. C'est voilà, c'est même un peu plus que ça, en fait. Hein, mais probablement pendant quelques semaines, ce sera offert, en fait, plus que gratuit. D'accord. Mais non, ce sera destiné à le payant, parce que c'est le contenu du point. Donc, ça serait toujours moins cher que le point vendu en kiosque, puisque le point en kiosque est 3,50 €. Oui. Et à quand la version compatible portrait, orientation portrait? Parce que c'est un petit peu le truc frustrant qu'on s'attend à pouvoir le lire dans toutes les positions. Alors ça, il y a deux écoles, parce que très franchement, on a eu le débat en interne, on en a beaucoup, beaucoup discuté de ça. J'imagine. Et alors, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent la page magazine, elle est comme ça, elle est verticale. OK. En même temps, quand vous ouvrez un magazine, je vais en prendre un, hop, au hasard, le point. Et... vous avez... attendez, je vais vous ouvrir une page. Oui. Une ouverture, c'est sur une double page. Une double page, c'est un format de paysage. Et le point, voilà. Ouais, la comédie du pouvoir, regardez. Oui. Hop, c'est une double page. Donc ça, c'est un format paysage. Donc à la base, le magazine, c'est comme un format paysage. Les titres, ils courent sur deux pages. Les photos peuvent être sur deux pages, etc. Donc c'est aussi le format magazine. Mais le format portrait viendra ou c'est pas encore... Ouais, on y réfléchit. Ouais. Honnêtement, on n'est pas sûr de ça parce que il faut le faire deux fois parce que nous on maquette tout. Donc voilà, c'est une question technique et de conception aussi qui est difficile. Ouais, il y a une question de conception et puis on s'adaptera à l'usage des gens parce qu'on est pas buté sur une thèse ou une autre. On verra de toute façon. Si les gens sont très frustrés par ça, on le fera. S'ils sont contents avec ça, s'ils préfèrent ça, on fera des tests. On a fait beaucoup de tests en interne. Les gens étaient plutôt format paysage. Mais en même temps, c'est pas scientifique tout ça. Et puis les usages. Vous savez, un journal comme ça, il y a des tas de trucs. Il y a des codes qui sont centenaires. On sait très bien que la page recto, la page de droite, elle est plus lue que la page de gauche. On sait très bien que les colonnes, les gens, ils sont habitués à lire comme ça, de passer d'une colonne à une autre. Etc. Sur un objet comme ça, c'est un peu différent. On sait pas trop. Voilà. Donc on est. C'est à définir, oui. Les usages sont en train de se créer. Bien sûr, on a des intuitions. On se dit, ce serait peut-être plutôt comme ça. Et puis en même temps. En même temps, de toute façon, il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis. Hein, donc, De toute façon, tout ça est en train de se créer, de s'inventer. Hein. Oui, mais c'est l'aventure, c'est le Far West, c'est rigolo, c'est la conquête de l'Ouest. Bon, on viendra peut-être vous revoir pour savoir où ça en est. Avec grand plaisir. Ouais. Bon, merci, à bientôt. Merci à vous. Mémoire vive.